Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de réaliser une guidance intemporelle sur le domaine des émotions et des sentiments. Je sais que vous êtes particulièrement friands de ce type de vidéo-là, donc je me suis dit que j'allais également vous en proposer. Je vais travailler avec quatre oracles différents. Le premier sera le Witch et le Normand de mon amie Angélique de la chaîne Angie Lumière d'Étoile. Le second sera mon oracle des merveilles. Le troisième sera l'oracle Sacré-Cœur de ma belle Dorine Gilbert. Et en complément, on se prendra un petit message des anges, de l'oracle divin ange, toujours de ma belle Dorine. Allez, je vous invite à vous concentrer sur votre situation, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous soyez les deux, hein, puisque certains parfois sont en couple, mais se considèrent célibataires. Donc c'est en fonction de vous. Je vous invite à vous concentrer sur votre situation, sur une problématique en particulier, ou tout simplement laissez-vous porter par le tirage. Pour vous aider à vous diriger vers un choix, je vous ai placé trois petites représentations ici. La première sera le lapin blanc, qui bien sûr est l'ambassadeur du printemps, l'ambassadeur d'Ostara, hein, qui arrive très prochainement. Donc ce petit lapin blanc va représenter le renouveau, les énergies qui vont se renouveler, le cycle de la nature, l'éveil, les choses qui vont reprendre forme, qui vont reprendre vie tout doucement, hein. Et puis notre lapin, vous connaissez l'expression être un chaud lapin, donc notre petit lapin, il est quand même réputé pour voilà pour aller flirter comme ça à droite et à gauche. Donc le lapin peut aussi représenter cet aspect, je vais pas dire frivole, mais cet aspect, voilà, l'envie de rencontrer, l'envie de s'ouvrir aux autres, de partager, de découvrir le monde. Pour le second choix, vous avez ici l'œuf qui va bien sûr symboliser le nouveau, non pas le renouveau, mais le nouveau, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit, quelque chose qui est aussi porteur d'espoir, hein, puisque l'œuf, il a à l'intérieur de lui la vie. Donc ici on nous parle de vie, pourquoi pas d'enfant. C'est un symbole qui est très fort, hein, puisque ça va vraiment nous parler ici de quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à nous. Et pour la troisième représentation, il s'agit bien sûr du cœur qui va incarner toutes les émotions, tous les sentiments. C'est notre organe vital, c'est celui qui nous permet, eh bien, de faire fonctionner notre organisme correctement. Sans lui, eh bien, nous ne serions pas grand chose, hein. D'ailleurs, vous ne regarderiez pas la vidéo si vous n'aviez pas de cœur. Donc le cœur va symboliser ici tout ce qui est aspect d'émotion et de sentiment. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on va pouvoir y aller. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit lapin blanc, on va tout de suite prendre un petit message des anges. Et nous avons la réponse est non. Voilà, si vous aviez une question en tête, eh bien sachez que la réponse est non. Alors ça peut être un non rassurant, ça peut être un non punitif. Si par exemple votre question était est-ce que il ou elle me trompe, est-ce que il ou elle m'a oublié, eh bien la réponse est non, par conséquent c'est un non qui est rassurant. Par contre si votre question était davantage est-ce que il ou elle m'aime, est-ce que et que là la réponse est non, du coup c'est un non qui est un petit peu moins sympathique. À vous de l'adapter selon votre question. Allez, on va commencer tout de suite par l'oracle Witchy le Normand. Alors, nous avons la tour, nous avons le chien et nous avons la cigogne. Alors, pour moi, tout de suite, la tour, déjà, ça m'évoque quelque chose qui est en train de s'élever, quelque chose qui doit se construire avec le temps. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, effectivement, pour rencontrer la bonne personne ou pour rencontrer quelqu'un avec qui nous allons vivre une relation particulière, il faut effectivement du temps. Si on nous parle d'une relation de couple, c'est pareil, un couple se construit avec le temps, hein, ce n'est pas parce que ça fait un an ou deux qu'on a ensemble, non, on a construit les bases, mais il reste encore plein de choses à construire. Donc pour moi, cette tour, c'est le symbole de quelque chose qui doit se construire et quelque chose qui doit se faire avec le temps. En plus, regardez ici, nous avons la tour Eiffel qui est quand même assez évocatrice puisque la tour Eiffel, elle est connue pour avoir des étages, pour avoir des niveaux. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui doit se construire mais qui doit se faire par palier. Ne grillez pas les étapes. Si par exemple vous êtes célibataire, même ça fait par exemple 10 ans que vous êtes célibataire, ne renoncez pas. Il y a des choses que vous devez d'abord vivre, des choses que vous devez d'abord comprendre. Pareil, si vous êtes en couple, si vous traversez une situation un peu pénible, un peu particulière, si vous traversez cette
certaines épreuves, ou si au contraire vous venez de vous mettre en couple. Là encore, hein, peu importe votre situation, c'est à vous d'adapter ce que je suis en train de vous dire à votre situation. Mais là, pour moi, j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui doit se construire avec le temps et qui doit se faire par palier. Ne grillez pas les étapes au risque de, eh bien, de mettre la structure en péril, hein, et que ça ne puisse pas aboutir, que ça ne puisse pas aller bien loin. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui soit stable et qui puisse s'élever dans le temps, qui puisse grandir et qui puisse être fort, il va falloir y aller par étapes, commencer par des bonnes bases, une bonne structure, on commence petit à petit jusqu'à atteindre le sommet. Le chien ici me fait référence à tout ce qui est amitié sincère, hein, puisqu'un chien, il est connu pour être un ami fidèle, pour être loyal à son maître. Et c'est vrai, hein, les animaux, parfois, on a beau les maltraiter, les torturer, ils sont là, ils nous aiment, ils s'en fichent de savoir comment est-ce qu'on est, ils s'en fichent de nos complexes, de voilà, tout ce qui, ils s'en fichent. Un animal, il nous voit pour ce que l'on est et il nous aime pour ce que l'on est. Donc ici, il y a cette sensation d'amitié sincère. Alors soit ça peut être une amitié sincère, mais une amitié qui pourrait peut-être évoluer sur autre chose. Soit on nous parle ici d'une forme de loyauté et de fidélité, quelqu'un qui vous est fidèle. Ça peut être aussi un conseil vis-à-vis de vous, c'est-à-dire être fidèle à vous-même. Ne renoncez pas à vos valeurs, ne renoncez pas à vos principes pour devenir quelqu'un d'autre dans l'espoir soit de rencontrer quelqu'un ou de vous adapter à votre compagnon. Non, vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. Quand on est en couple, c'est normal de faire quelques concessions, de faire quelques compromis, ça c'est normal. En revanche, changer et devenir quelqu'un d'autre et renoncer à qui nous sommes, non, ça c'est très malsain parce qu'il y a forcément tôt ou tard où, bah, vous connaissez l'expression, hein, chasser la nature, il revient au galop. Elle revient au galop, pardon. Eh bien, c'est exactement le même principe. Donc ne soyez fidèle à vous-même, ne renoncez pas à qui vous êtes. Et la cigogne, elle annonce des choses positives, elle annonce des choses qui vont arriver. Alors ça peut être une naissance, pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple. Je vous le souhaite, enfin si vous le souhaitez également, hein, parce que tout le monde ne souhaite pas avoir un enfant, mais si vous le souhaitez, je vous le souhaite également. Donc ici, ça pourrait annoncer quelque chose qui arrive, la naissance, ça pourrait annoncer pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas une rencontre. Et j'ai envie de dire, les énergies pourraient s'y prêter puisqu'on arrive tout doucement au printemps, on va pouvoir de nouveau sortir, le beau temps va petit à petit revenir. En théorie, on devrait bientôt en terminer avec toutes ces mesures sanitaires, donc on devrait, je l'espère en tout cas, retrouver un semblant de vie normale. Donc automatiquement, vous allez être plus enclin à pouvoir rencontrer des gens si vous sortez de chez vous, si vous êtes amené à reprendre des activités, hein, j'ai envie de dire que ça paraît logique. Donc ici, on a quand même quelque chose qui est particulièrement positif. Je vais compléter ça avec l'oracle des merveilles. Alors, nous avons le champignon avec le pays des merveilles, la dent qui nous parle de la sagesse des mots et les fleurs pour le chant du pardon. Alors là, ici, on a quelque chose qui est très intéressant puisque le champignon fait appel à quelque chose qui pourrait être illusoire et aussi à la possibilité de faire un choix. Pour ceux qui connaissent le conte, vous savez que le champignon dans Alice au pays des merveilles, un côté fait rapetisser et l'autre côté fait grandir. Et le choix appartient à Alice de prendre l'un des côtés et de manger ce qu'elle veut. Et on a une figure très métaphorique sur le fait de rapetisser ou grandir. C'est-à-dire que rapetisser, c'est pas forcément que physique, ça peut être une régression. Donc à vous, c'est à vous qu'appartient le choix, soit de régresser, soit au contraire de vous élever. Et du coup, je trouve que le message est très cohérent avec la tour, puisque la tour s'élève. La tour, c'est quelque chose qui est en hauteur, hein, qui monte. Donc ici, on a vraiment une notion de soit s'élever, soit régresser, et c'est à vous que ce choix appartient. C'est-à-dire que si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, si par exemple vous êtes en couple et que vous vivez à l'heure actuelle une situation qui est pas forcément très marrante, à savoir la routine qui s'est installée, la passion qui est un petit peu partie, etc. Eh bien, c'est à vous qu'appartient la possibilité de raviver cette passion, d'élever votre couple à nouveau. Et à contrario, la décision aussi vous appartient de faire régresser votre couple. Si vous ne faites rien pour que les choses puissent s'améliorer, eh bien effectivement, elles ne s'amélioreront pas et possiblement qu'elles vont même se dégrader.
Et le champignon, il y a aussi ici une notion d'avoir une vision claire, hein, puisque le champignon, certains champignons sont assez réputés pour être hallucinogènes et pour nous faire voir des choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et par conséquent, ce champignon ici, c'est aussi une forme d'avertissement pour vous dire d'avoir une vision éclairée, d'être lucide sur la situation à l'heure actuelle. Si par exemple vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'il y a une raison à cela. Est-ce que vous voulez vraiment être en couple? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que vous faites également des efforts? Est-ce que vous mettez tout de votre côté pour rencontrer des gens? Si par exemple vous passez toutes vos journées en pyjama, éponge, sur votre canapé à regarder Netflix, bah c'est sûr que c'est pas comme ça que l'amour il va venir, hein, parce que hormis le facteur que vous allez croiser tous les jours, il y a quand même très peu de personnes qui vont venir toquer à votre porte. N'oubliez pas que l'amour ne vient pas toquer, c'est quand même aussi à nous d'aller le chercher, d'aller le provoquer un petit peu. Donc ici, il y a une notion d'être lucide sur une situation. Pareil, si vous êtes en couple, si aujourd'hui les choses sont telles qu'elles sont, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans tout ça, hein, puisque un couple, c'est comme une dispute. En principe, il faut être deux. C'est quand même assez difficile de se disputer tout seul. Donc quand un couple bat un petit peu de l'aile, c'est peut-être aussi que vous avez peut-être délaissé une part importante du couple, hein. C'est pas qu'une seule partie. Et c'est ça aussi être lucide, c'est accepter la réalité, accepter les choses, donc à vous de reprendre les choses en main. La dent avec la sagesse des mots est très intéressante puisque elle nous parle ici des mots MAUX, pas les mots MOTS, mais les mots MAUX. Donc ici, on est bien face à certains mots qu'il va falloir régler, mais qu'il va falloir régler avec une certaine philosophie, avec une certaine forme de sagesse, et agir d'une façon qui est un petit peu différente de ce que vous pouviez faire d'habitude. Je m'explique. La dent de sagesse, ici, en principe, les dents de sagesse poussent, comme son nom l'indique, quand nous sommes adultes. Et en théorie, quand nous sommes adultes, nous prenons des décisions qui sont, en théorie, plus réfléchies que lorsque nous sommes enfants ou adolescents. Donc ici, on vous invite, eh bien, à réfléchir davantage et à faire preuve de sagesse sur la situation en question pour régler les mots MAUX. Et les fleurs, le chant du pardon, là aussi est très intéressant puisqu'on nous parle ici de pardon. Il est temps de pardonner. Alors pardonner à qui? Pardonner quoi? Est-ce que c'est un pardon que vous devez vous faire à vous-même? Peut-être que vous avez été trop dur avec vous-même. Peut-être que vous êtes encore dur avec vous-même, voire injuste. Ou est-ce que vous avez été trop dur avec votre partenaire? Est-ce que vous avez des exigences qui sont trop élevées? Bref, il est temps aujourd'hui vraiment de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Si vous voulez que les choses puissent évoluer et les choses puissent se faire. Et comme la fleur est couplée avec la dent, c'est intéressant ici parce que peut-être que ça peut vous faire comprendre ici que la manière que vous avez d'agir d'habitude n'est peut-être pas la bonne méthode à adopter. En l'occurrence dans cette situation, mais peut-être appliquer quelque chose d'autre, appliquer un comportement qui est différent de ce que vous faites d'habitude. Et peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui pardonne facilement, et bien aujourd'hui, il faudrait au contraire apprendre à dire pardon ou accepter le pardon si vous voulez pouvoir guérir et avancer. Allez, on va terminer avec le Sacré-Cœur. Nous avons la colère avec la violence et l'agressivité, une difficulté à ouvrir son cœur et une rupture. Ok, donc là on a quand même des cartes qui sont assez négatives, qui sont même ultra négatives, je le concède. La colère ici et l'agressivité pourraient nous parler soit de votre attitude, et c'est possible, parce que c'est vrai qu'on a tous une relation avec l'amour qui est particulière. Il suffit que nous ayons eu certaines blessures, que nous ayons eu certaines déceptions et certaines trahisons pour que, sans le faire exprès, nous soyons créés une forme de coquille, de carapace. Mais cette carapace, on l'a en plus armée. On y a mis des clous, des pointes, du barbelé électrique, bref, vraiment une carapace qui est devenue tellement impénétrable que personne ne peut nous approcher des maîtres alentours. Et ça pourrait nous parler d'une forme de colère qui est cachée à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça aussi le pardon.
Le pardon, justement, ça peut être le fait de vous pardonner à vous. Peut-être que vous avez fait quelque chose pour laquelle vous en voulez, vous vivez peut-être avec une forme de culpabilité, ou peut-être quelque chose qui vous rend agressif et en colère. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les gens aiment les gens qui s'aiment eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si vous avez une piètre opinion de vous-même, si votre image n'est pas terrible, eh bien automatiquement vous allez refléter ceci et les gens vont s'en apercevoir. Il n'y a pas besoin d'être empathique pour le voir. Hein, je prends un exemple très concret. Imaginons quelqu'un qui soit habillé tout en gris et tout en noir, qui marche la tête baissée, qui longe le mur. Automatiquement, on va se dire, tiens, cette personne, elle est triste. Elle donne pas envie de venir la voir. Si on a quelqu'un qui est par exemple habillé en couleur, qui marche la tête haute avec un grand sourire jusqu'aux oreilles et qui marche en plein milieu de la rue, automatiquement, on va remarquer que cette personne, elle va dégager une telle aura de positivisme, de gaieté, de joie, etc. Qu'on aura envie d'aller voir cette personne, qu'on aura envie de lui parler, qu'on aura envie de partager son sourire. Donc ça peut être ça aussi, cette colère, ça peut être un sentiment qui est en train de vous ronger de l'intérieur, et il est temps peut-être d'évacuer et d'expulser cette colère, hein. Et c'est ça qui rejoint d'ailleurs difficulté à ouvrir son cœur, c'est qu'ici on nous parle de mots, toujours MAUX, hein, des blessures, des choses que vous portez à l'intérieur de votre cœur, et vous avez mis cette carapace autour de votre cœur à tel point que même vous, vous avez l'impression de ne plus savoir en fait comment vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, comment vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Et justement, la clé de cette ouverture peut commencer d'abord par le pardon, par ces trois choses qui sont présentes ici, à savoir reprendre les choses en main, prendre des décisions. Est-ce que je veux avancer? Est-ce que je veux évoluer? Ou au contraire, est-ce que je veux régresser? Et il faut que je sois lucide de ce que je veux, lucide de cette situation. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, agir de façon différente. Si par exemple, cette dent, elle commence à pourrir dans ma bouche et qu'elle me fait mal, je vais pas continuer à la garder et au risque de perdre ma santé, voire ma vie. J'en sais quelque chose. Ne négligez jamais vos dents. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, si cette dent est en train de pourrir, il faut au contraire l'extraire, ne plus la garder et prendre la décision d'extraire. Donc là, on est sur un travail d'introspection pour vous dire, faites un bilan dans votre vie de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous fait clairement souffrir et débarrassez-vous-en. Allez voir un docteur au sens, alors ça peut être au sens figuré du terme comme au sens propre, un docteur type un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider à identifier ces mots, justement, quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous allez pouvoir parler, ou tout simplement vous, peut-être que vous êtes lucide des problèmes que vous avez et qu'il est temps de les reprendre en main et de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et ensuite, pardonner, ça c'est important. Il ne faut pas que vous soyez dans la culpabilité, il ne faut pas que vous soyez dans l'auto-jugement, dans l'auto-condamnation, parce que c'est comme ça que vous allez vous rajouter des choses, mais au contraire, vous pardonnez. Ce que vous avez vécu dans le passé, vous l'avez vécu. C'est comme ça, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Hein, ça, je vous le dis souvent, le passé, on vit avec, mais on ne vit pas dedans. Le passé, c'est comme un boulet, et vous avez deux possibilités. Soit vous vous laissez traîner par ce boulet, hein, qui est accroché à votre cheville, et vous essayez désespérément et péniblement d'avancer en tirant ce boulet, soit vous prenez votre boulet à bras le corps, vous le portez et vous allez pouvoir avancer bien mieux comme ça. Et bien le passé c'est exactement ça, soit vous vivez dedans et auquel cas vous ne pourrez jamais vous tourner vers l'avenir, soit vous vivez avec votre passé, vous tirez un enseignement de votre passé et vous continuez à avancer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir. La rupture, alors ça pourrait être une rupture amoureuse, mais honnêtement moi j'y crois pas trop, moi je crois plutôt à la rupture de ce que je viens de vous dire, une cassure nette, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'il se passe dans votre tête, dans votre vie, et rompre ces habitudes, ces mauvaises habitudes, rompre ce cercle vicieux, casser ce cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Pour ceux qui ont choisi l'œuf, voici le tirage. On commence tout de suite avec le message des anges. Ah bah! On a un message qui est sorti tout seul. Réessayez plus tard. Donc ici, on nous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment ou que toutes les énergies ne sont pas encore réunies ou que la réponse n'est pas ni favorable ni défavorable, mais simplement réessayer plus tard. Si vous êtes en train de tenter quelque chose, pareil, on est en train de vous indiquer que c'est pas le bon moment. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, c'est pas encore le bon moment. Pourquoi ce n'est pas le bon moment? On va voir ça. Si vous êtes en couple, pareil, réessayez plus tard. Donc là encore, c'est pour vous signifier que c'est pas encore le bon moment, hein. Toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que les choses puissent se faire correctement. On va venir détailler ça avec le Witchy, le Normand.
Alors, nous avons le serpent, nous avons le petit magicien et nous avons les oiseaux. Ok, donc là, tout de suite, ça pourrait m'évoquer éventuellement soit des commérages où vous... Il y a peut-être une menace dans votre vie à l'heure actuelle, il y a quelque chose, il y a une ombre au tableau. Le serpent peut aussi signifier, hein, souvent les gens ont peur de ce serpent et ils l'interprètent de façon négative, mais je vous rappelle aussi que le serpent, c'est un animal qui mue, c'est un animal qui change de peau, qui se transforme au fil de sa vie. Et peut-être que vous-même, il est temps aujourd'hui que vous changiez de peau, que vous fassiez peau neuve également. Qui plus est, très souvent, les contrepoisons, hein, sont issus du venin des serpents. Hein, quand vous faites mordre par un serpent et qu'on vous met une dose de contrepoison, très souvent, ce contrepoison a été fabriqué grâce au venin du serpent qui vous a mordu. Donc ici, on a à la fois la solution qui émerge grâce à un problème. Donc ce n'est pas une carte si négative que ça, hein, puisque justement, on est en train de vous dire que si ça ne vous convient plus, si à l'heure actuelle, ce que vous vivez, vous êtes libre de pouvoir vous en débarrasser, de faire peau neuve. En plus, la peau, c'est quelque chose qui est assez superficiel. Là, on ne parle pas de changer son squelette, de changer son sang, des organes. Non, là, on nous parle de quelque chose qui est superficiel. La peau, c'est quelque chose qui est superficiel, qui peut être enlevé facilement. Donc, on nous parle d'un problème qui n'est pas vraiment un problème et qui pourrait être solutionné assez facilement. Ceci dit, le serpent peut aussi parler ici d'une menace. Mais attention, un serpent n'attaque jamais gratuitement. Un serpent, pour qu'il vous attaque, soit vous l'avez embêté et embêté jusqu'à un point où parce que même si vous embêtez un serpent, en principe il va fuir. S'il revient vers vous, c'est que vraiment vous l'avez cherché quand même, hein, et limite vous méritez ce qui vous arrive parce qu'il aurait été cool quand même le serpent, il vous aura averti un paquet de fois avant de vous mordre, hein. Et soit, eh bien, vous arrivez sur son territoire et il veut tout simplement protéger ses œufs, hein, ses enfants, hein. Donc ici, ça peut nous parler d'une menace, certes, mais une menace encore une fois qui peut être évitée, c'est-à-dire si vous ne cherchez pas trop, si vous arrêtez d'insister, cette menace s'en ira d'elle-même. Ensuite, nous avons le petit magicien. Alors pour moi ici, ça m'évoque... Alors ça pourrait évoquer un enfant, mais quand je vois cette carte, ça m'évoque une joie de vivre, quelque chose, le fait de profiter tout simplement de la vie. Regardez, je vais vous montrer la carte parce qu'elle est tellement mignonne. On a ce petit enfant qui est en train de sauter comme ça sur son lit, qui vient d'éclater son oreiller, il y a des plumes de partout, mais il s'en fiche, il est heureux. Eh bien, c'est la sensation que j'ai, c'est-à-dire, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, mais apprenez tout simplement à vous réjouir de ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, ne voyez pas votre statut comme une punition, c'est-à-dire, eh oui, je suis seul. Non, voyez-le plutôt comme une forme de liberté, que vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, sortir avec qui vous voulez, n'avoir aucune explication à donner. Enfin, il y a vraiment ici un aspect de liberté, quelque chose qui est à fêter. Que c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose qui est négatif, et eh oui, je suis seul. Si vous commencez à lister les choses en lien avec la solitude, c'est sûr que vous allez déprimer, hein, parce que vous allez trouver que des points noirs. Mais si en revanche vous listez les choses qui sont liées à la liberté, ah bah vous allez voir que vous allez lister beaucoup de choses particulièrement positives. Et si vous êtes en couple, on vous invite pareil. Peut-être pour raviver la flamme, eh bien, à faire preuve de puérilité dans le sens où n'oubliez pas que votre partenaire, ce n'est pas que votre partenaire de vie, mais c'est aussi votre ami, c'est votre amant, c'est tout. Et en tant qu'ami, eh bien, il faut savoir aussi profiter et puis rigoler, partager des choses qui sont complètement bêtes parfois, mais tout simplement se laisser porter par les choses et profiter de cet instant. Et en plus, c'est grâce à ce type d'instant que vous allez pouvoir renforcer les liens de votre couple. Si justement votre couple est en train de vivre une situation un petit peu délicate dans le sens où la passion est un petit peu perdue. Si vous créez des choses comme ça, que vous voyez votre partenaire comme un ami et que vous mettez à partager des choses comme vous le feriez avec un ami, vous allez voir que votre relation va grandement s'améliorer. Et enfin, nous avons les oiseaux. Alors les oiseaux, dans un Lenormand classique, peut parler éventuellement de médisance, de commérages, de choses comme ça. Oui, alors c'est possible, hein, que ça puisse parler de ça. Mais j'ai envie de voir cette carte différemment. Regardez un petit peu, on voit ces oiseaux qui sont assez gais, qui sont en train de chanter. Regardez, il y a des notes de musique ici. On n'est pas foncièrement sur quelque chose de négatif. Enfin, moi là, en l'occurrence, je le ressens pas forcément comme quelque chose de négatif. Mais on voit plutôt des oiseaux qui sont là à s'exprimer. Et je pense que pour vous,
qui avez choisi ce tas, c'est important de pouvoir vous exprimer. Peut-être que vous n'êtes plus libre ou vous ne vous sentez plus libre de pouvoir vous exprimer. Ce qui collerait assez bien avec le serpent qui se débarrasse de sa peau, hein, quand le serpent il est arrivé, qu'il est trop étroit dans son corps et finit par en changer. Et pareil, on a cet enfant qui est en train de s'amuser et les plumes comme ça qui se sont envolées de l'oreiller, ça peut aussi faire comprendre un aspect de quelque chose qui est trop serré, hein. Si l'oreiller il a fini par éclater, c'est que soit il y avait trop de plumes à l'intérieur, soit la pression était trop grande, mais on a le fait ici de s'exprimer, quelque chose de laisser libre cours, d'exploser même, hein, littéralement. Et pour moi, ces oiseaux qui sont en train de chanter, il y a cette forme d'expression. Et il est temps pour vous de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous libérer et de pouvoir dire peut-être ce que vous avez envie de dire, hein. Il est peut-être temps de le dire, justement. Ou tout simplement de vous exprimer. Ça peut être une expression corporelle, artistique, tout ce que vous voulez. Mais ici, il y a une forme d'expression qu'il faut mettre en place. Allez, on va continuer avec l'oracle des merveilles. Vous me croirez jamais, mais j'étais sûr que cette carte allait sortir, puisque justement je suis en train de vous parler de vous exprimer, de laisser exploser les choses, et j'étais sûr que cette carte allait sortir. Donc nous avons le dessin qui nous parle de la pensée expressive, donc on revient à cette idée de s'exprimer, de laisser jaillir les choses. Nous avons le trou de lapin avec la chute improbable et nous avons la Vorpale, le jouet macabre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, je vais pas revenir sur cette carte-là, vous l'aurez compris, mais je vais quand même y revenir un petit peu parce que le dessin peut aussi montrer une forme de carrefour. Regardez, je vous montre. C'est comme si ici on voyait un carrefour vu aérienne, hein, vu d'en haut, avec plusieurs chemins qui sont possibles. Et c'est à vous de décider quel chemin vous voulez emprunter. Et on voit que les opportunités sont multiples. Donc finalement, si on se place au centre, eh bien peut-être qu'on va être perdu parce qu'on a l'impression de ne pas voir tous les chemins. Mais si on prend de la hauteur, c'est là qu'on va pouvoir voir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Eh bien c'est exactement le même principe ici. C'est-à-dire que peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être comme étriqué dans quelque chose, dans une situation, dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Mais en fait, ce n'est qu'illusoire. Encore une fois, c'est superficiel parce que les choses vous appartiennent. Et il suffit que vous changiez de position, que vous changiez votre vision, que vous changiez votre façon de voir les choses, pour comprendre que finalement vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous et qu'il ne faut pas voir qu'une seule chose, hein. Ne vous mettez pas des œillères parce que clairement vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Il y a peut-être énormément de choses qui sont sur votre côté de la vision, d'accord? Donc à vous d'avoir une vision périphérique et non pas d'avoir une vision qui soit comme un entonnoir, qui soit uniquement butée sur une seule chose. Je reviens à cet aspect de solitude. Si vous voyez que l'aspect que vous êtes seul, ah bah c'est sûr que oui, c'est très restrictif de voir que ça. Mais si vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, la possibilité en fait que vous êtes libre, là vous allez voir une multitude de possibilités s'ouvrir à vous. Pareil, si vous êtes en couple et que vous voyez votre couple comme étant quelque chose, soit d'acquis, soit votre mari ou votre épouse, votre copain, votre copine, peu importe. Vous le voyez comme juste votre chérie, là encore, on est sur une vision étriquée. Plutôt que si vous voyez votre chérie comme un amant ou une amante et que vous lâchez avec lui ou avec elle comme vous le feriez avec un inconnu pour un plan d'un soir, eh bien, automatiquement, ça va créer de nouvelles choses. Si vous voyez aussi votre compagnon ou compagne comme un ami, eh bien, c'est pareil, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités de partage. Vous voyez, donc, ne vous cantonnez pas à une seule chose, mais au contraire, exprimez-vous sur tout un tas de choses. On a le trou de lapin qui nous parle d'une chute improbable. Là, c'est intéressant parce que le trou de lapin symbolise le fait de lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Il y a un moment donné où il faut savoir ne plus se prendre au sérieux. Et ça correspond bien avec les cartes qu'on a ici, c'est-à-dire lâcher prise. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Arrêtez de vouloir tout gérer. Ben, c'est comme l'œuf, j'ai envie de dire, hein. L'œuf, une fois qu'il est pondu, ben malheureusement, l'œuf, il va faire sa vie tout seul. Et il n'a pas d'autre choix que s'en référer à la vie. C'est-à-dire que l'œuf, eh ben, concrètement, il peut avoir des prédateurs, il peut être mangé par un animal, il peut aller jusqu'à son terme, il peut ne pas aller jusqu'à son terme. Un œuf, il peut être fertile comme il peut être stérile. Voilà, un œuf, une fois qu'il est pondu, malheureusement, eh bien, il est la proie, j'ai envie de dire, de la vie.
Et vous, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous êtes là à vivre et arrêtez de vous prendre la tête, mais lâchez prise et laissez-vous porter par la vie et vous verrez bien ce qu'il va arriver, hein. Advienne que pourra, chaque jour suffit sa peine, ou comme j'aime à le dire, alea iacta est, qui veut dire en latin le sort en est jeté, eh bien c'est le même principe. Lâchez prise et acceptez de chuter, vous verrez bien où vous tombez, hein. C'est comme quand Alice tombe dans ce trou de lapin, elle s'inquiète même pas de savoir qu'elle va peut-être s'écraser comme une crêpe au sol. Non, elle n'est même pas consciente. Elle est là, elle tombe dans ce trou de lapin, et puis elle rêve, elle regarde les meubles qui défilent, les choses, elle s'en fiche, elle est limite contente en fait de tomber dans ce trou, hein. Et bien vous, c'est le même principe. Arrêtez de vous poser 1000 questions, vous verrez une fois que vous allez arriver en bas du trou, hein. Non, pour l'instant, profitez de ce que vous vivez, lâchez prise et laissez-vous porter par ce flux. Et la vorpale est un signe très fort pour nous dire que c'est à vous de prendre cette décision de trancher, de couper, mais vraiment de vous débarrasser. Et encore une fois, on revient à cette image des cartes-là, entre autres celle du serpent qui se débarrasse de sa peau pour faire une peau neuve, hein, un nouveau corps. Et bien vous, c'est le même principe. Alors attention, je vous invite pas à aller vous écorcher, hein. Me sortez pas l'économe du tiroir et puis vous commencez à vous éplucher. Non, c'est pas ce que c'est pas le conseil que je prodigue, qu'on soit bien d'accord. Je suis simplement en train de vous dire, prenez ce couteau parce que dans le conte Alice, alors pas dans le conte de Disney, hein, mais plutôt dans les jeux, principalement dans les jeux et dans les films, la vorpale c'est une épée ou un couteau que Alice prend pour pouvoir se défendre et pour pouvoir prendre les choses en main, j'ai envie de dire. Eh bien, cette vorpale, elle est également face à vous et le choix vous appartient. Est-ce que vous la prenez pour vous défendre et couper les choses, trancher dans le vif, soit vous passez à côté et puis vous continuez votre chemin, d'accord? Allez, on va continuer avec le Sacré-Cœur, enfin on va terminer avec le Sacré-Cœur. Nous avons... Ok, excusez-moi. C'est juste, ça me fait rire parce que regardez la carte, c'est la carte de la gestation. Nous avons l'œuf justement. Et rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à l'œuf. Ok, donc là, on a vraiment quelque chose qui est très fort comme message et qui est très drôle au passage. Alors, nous avons donc la gestation, la période de deuil et une solitude et l'isolement. Ok, donc on a quand même des choses qui sont très intéressantes. Bon, l'avantage, c'est qu'on a une carte qui est très positive, qui reprend l'emblème de votre choix, à savoir l'œuf. On est sur... Mais ça va bien aussi avec la période de deuil. C'est-à-dire qu'un deuil, c'est aussi une période de gestation. Un deuil, c'est quelque chose qui est important à faire. Soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de faire le deuil de votre ancienne relation, ou alors vous êtes en train de faire un deuil de façon plus générale, parce que vous remettez plusieurs choses en question dans votre vie. Peu importe, si vous êtes en couple, c'est pareil, soit vous avez vécu une rupture et vous êtes en train de vous remettre de cette rupture, vous vivez un deuil, soit vous vivez là aussi un deuil en couple, peut-être que vous vivez quelque chose de particulier, je sais pas, moi ça peut être la perte d'un ami, d'un être cher, d'un membre de la famille, d'un travail, de la maison, peu importe, hein, c'est peut-être quelque chose que vous vivez ensemble en couple, d'accord? Mais les périodes de deuil, il faut savoir que ce n'est jamais, 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 au grand jamais, quelque chose de négatif, mais au contraire, quelque chose qui est particulièrement positif. Alors oui, je sais, là, je pense que je vais me faire insulter en commentaire en disant n'importe quoi, c'est pas quelque chose de positif, un deuil. Eh bien si, justement, parce que c'est une période que vous allez vous imposer, et ça, un deuil, il faut impérativement se l'imposer. C'est pas quelque chose qu'il faut réfréner dans sa conscience ou dans son cœur et se dire « Oh, le temps fera les choses ». Non. Un deuil, il faut le vivre et il faut vous l'imposer. Et il faut aussi vous non-imposer des dates limites. C'est-à-dire, ok, c'est bon, je me donne 1 semaine, 6 mois, et puis après, non, non. C'est parce que plus vous allez vous imposer une date et moins vous allez y arriver et plus vous allez vous mettre la pression. Un deuil, il se vit chacun de façon individuelle. C'est-à-dire que certains se remettent plus rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps, mais peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour se comparer aux voisins. Non, parce que chaque deuil, c'est quelque chose qui est personnel et quelque chose qui doit être vécu de façon aussi personnelle, et il vous faut le temps qu'il vous faudra. Donc imposez-vous cette période et imposez-vous le fait de ne pas vous imposer de date, à vous dire voilà, dans 2 semaines il faut que j'aille mieux. Non, parce que non, non, ça fonctionne pas comme ça, hein. Le cerveau humain, les sentiments ne fonctionnent pas sur commande, hein. Non, non, il vous faut le temps qu'il vous faut. Et utilisez justement cette période de deuil pour, eh bien, générer quelque chose de nouveau. Vous avez perdu, certes, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur.
Exactement, j'ai envie de dire comme un œuf. C'est-à-dire qu'un œuf, quelque part, lorsque la maman met son œuf à l'extérieur, c'est une partie d'elle qu'elle perd. Donc elle est dans une phase de deuil, j'ai envie de dire. Mais en même temps, l'œuf, maintenant, il est devenu une entité vivante qui doit faire sa propre vie. Eh bien, c'est le même principe pour vous. C'est-à-dire que oui, vous avez perdu quelque chose à laquelle vous teniez beaucoup. Mais maintenant, il faut accepter que la vie reprenne le cours normal, que les choses puissent se faire et profiter de ce temps pour justement réfléchir, faire un travail d'introspection, remettre les choses en question, peut-être trouver des réponses aussi, mettre en place des solutions et petit à petit reprendre le cours de votre vie également. Ok? Et la solitude et l'isolement, ben, j'ai envie de dire que c'est logique là encore, hein, puisque un œuf, la vie se développe à l'intérieur de l'œuf et c'est uniquement à l'intérieur de l'œuf. Donc il y a cet aspect ici un petit peu d'emprisonné, de confiné, hein, c'est le mot à la mode, d'isolement, de solitude. Personne ne peut aider à développer l'œuf. Non, l'œuf va se développer tout seul, il n'a besoin de personne, j'ai envie de dire, et en même temps, personne finalement peut vraiment agir sur un œuf, hein. Bon, alors évidemment, on peut le couver, on peut lui apporter de la chaleur, etc., etc., mais hormis ça, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Eh bien, c'est le même principe pour ce que vous êtes en train de vivre, à savoir cette période de deuil, cette période d'introspection et de gestation à la fois émotionnelle et mentale. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail, il n'y a que vous qui pouvez cheminer petit à petit vers votre évolution jusqu'à, eh bien, pouvoir avoir suffisamment de force pour percer votre coquille et sortir de votre œuf pour, eh bien, à nouveau embrasser la vie telle qu'elle se présente. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le cœur, voici votre message. Et on commence avec les anges. Et nous avons éloignez-vous. Un message fort ici. Il faut que vous preniez du recul. Et c'est très important. Peut-être que vous êtes trop impliqué dans quelque chose, dans une relation ou dans une situation pareille, que vous soyez en couple ou célibataire. Là encore, vous adaptez ma réponse en fonction de votre situation. Mais vous êtes peut-être trop impliqué et il faut que vous vous éloigniez. Prenez du recul. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, parfois, il faut savoir se faire désirer. Alors pourquoi j'ai cette phrase en tête, je ne sais pas. Mais peut-être que justement, si vous courez trop après quelqu'un ou après quelque chose, cette personne a tendance à s'éloigner. Hein. On est tous pareils, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les personnes qui nous harcèlent, on n'aime pas les personnes qui sont trop sur nous. Chacun, on aime notre liberté à certains niveaux. Et plus on va avoir quelqu'un qui va s'immiscer, qui va nous courir après, et moins on va être réceptif. Non, il faut savoir doser. Surtout dans les émotions, il faut savoir doser et l'éloignement peut être bon dans le sens où ça permet de créer du désir, une sorte de frustration. Alors une frustration qui peut être bénéfique parce que si on ne s'intéresse plus trop à la personne, enfin qu'on lui montre qu'on ne s'intéresse plus trop à elle, même si ce n'est pas le cas, ça va susciter en elle une réaction de bah pourquoi j'ai plus trop de nouvelles, pourquoi. Et du coup, c'est cette personne-là qui va revenir naturellement vers nous et qui va nous montrer en fait aussi qu'elle tient à nous et que quelque part elle a besoin de nous. Donc il faut savoir créer du désir et pour savoir créer du désir, il faut aussi s'éloigner. Et si vous êtes célibataire, c'est doublement valable, dans le sens où plus vous allez solliciter des gens, plus ça envoie le message de, excusez-moi l'expression, de celui qui crève la dalle, hein, qui, voilà. Attends, on voit vraiment que la personne, elle en peut plus et c'est pas flatteur en fait, c'est pas flatteur, c'est pas vendeur pour vous non plus. Donc non, au contraire, il faut que vous donniez l'image de quelqu'un qui est à la fois accessible, mais pas non plus la fille, j'ai envie de dire, la fille facile ou le gars facile. Non. Il faut que vous mettiez une barrière qui montre à la fois que vous êtes accessible, mais que cette accessibilité, il faut la mériter, hein. C'est-à-dire que oui, vous êtes accessible, mais comme une statue qui serait en haut d'une montagne, hein, et puis il faut gravir tout un tas d'escaliers avant d'y arriver. C'est le même principe. C'est-à-dire montrer à la fois que vous êtes accessible, mais suffisamment, j'ai envie de dire, avec une position un peu éloignée, pour montrer que voilà, il faut mériter, il faut montrer les choses, il faut prouver les choses. Et pareil quand on est en couple aussi, si vous êtes tout le temps sur votre partenaire, il y a un moment où
Alors, il va peut-être pas vous le dire, mais il y a un moment où il aura envie de vous dire merde quand même. Je pense, hein, je pense, hein. Que au contraire, si vous créez un éloignement, mais attention, là encore, pas trop vous éloigner, hein, parce que si on s'éloigne de trop, on finit par se perdre complètement. Non, il faut là encore créer et susciter du désir en montrant que bah, c'est pas parce que vous êtes en couple depuis 10 ans que la relation elle est acquise, hein. Il faut un petit peu comme ça nourrir la passion, il faut nourrir les choses et montrer que bah voilà, hein, voilà. Je pense que la clé, c'est vraiment susciter du désir. Je suis en train d'épiloguer alors que la phrase, c'est ça, juste susciter du désir. Prenez du temps, éloignez-vous par rapport à ça, sur le fait que vous êtes trop impliqué ou que vous êtes trop sur le dos de la personne. Allez, on va détailler ça avec le Witch et le Normand. Alors, ben on a de nouveau le retour du petit magicien, de nouveau le retour des oiseaux, et on a en plus le balai magique. Bon, alors, ben du coup, même conseil que ce que je vous disais, hein, pour le choix de l'œuf, puisqu'on a le petit magicien et les oiseaux. Donc, on a à nouveau cette idée de s'exprimer, de prendre les choses avec légèreté. Et j'ai même envie d'ajouter un point un petit peu plus détaillé par rapport à vous, c'est-à-dire qu'on retrouve les plumes sur deux cartes. Et j'ai vraiment cette sensation ici de légèreté. Les plumes, qu'est-ce qu'elles font, elles virevoltent dans l'air, elles n'ont quelque part pas de poids, elles sont légères et elles peuvent comme ça de naturellement prendre du recul, prendre de la hauteur, s'éloigner avec une petite brise légère. Donc ça rejoint ici le message des anges, à savoir de prendre justement du recul, de s'éloigner un petit peu comme un oiseau pourrait le faire, hein. Si un oiseau il sent un danger, s'il sent quelque chose, il y a cet aspect de s'éloigner, de prendre du recul, de se protéger. Pareil pour ce petit magicien là qui est en train de bondir sur son lit, le fait de bondir, de sauter, ça va le propulser à prendre de la hauteur, à s'éloigner, hein, du sol. Donc ici, on a cette idée-là, effectivement, de s'élever, de prendre de la hauteur. Il faut vous-même, en fait, que vous soyez je pense que entre guillemets, votre problème à l'heure actuelle, c'est peut-être que vous êtes d'une part trop impliqué, vous êtes trop dans le rationnel, trop dans l'ancrage, trop dans le trop. Et il faut au contraire que vous preniez les choses avec beaucoup plus de légèreté, que vous preniez beaucoup plus de recul, que vous soyez plus léger dans votre façon de réfléchir, de penser, de vous impliquer. Il faut, c'est important aussi pour vous, hein, parce qu'à force, ça va créer une sorte d'obsession, une obsession malsaine, que vous allez finir par nourrir. Donc non, quand on est dans le trop, c'est trop. Donc au contraire, il va falloir rectifier ça en prenant plus de légèreté, que vous soyez vous-même plus léger sur plein de domaines, hein, dans votre façon d'agir, de réagir, de penser, de vous comporter, de prendre des décisions, etc., etc. Prenez plus de légèreté. Et ça me fait rire quand je vous dis de la légèreté parce que le balai, j'ai tout de suite l'image du balai qui vole, hein. Oui, je sais, le cliché de la sorcière. Mais effectivement, peut-être qu'il est temps pour vous de prendre votre envol. Et je vous dis ça parce que ça colle bien avec les deux autres cartes. Il est temps pour vous de prendre votre envol, de justement, encore une fois, peut-être prendre du recul. J'ai une sensation, en fait, de prendre de la hauteur. Prenez des distances nécessaires et suffisantes pour que vous puissiez analyser la situation vue d'en haut, que vous puissiez aussi minimaliser un problème peut-être que vous avez maximisé, puisque effectivement, si vous êtes au pied d'une montagne, la montagne va vous paraître absolument infranchissable. Mais si vous prenez de la hauteur et que cette montagne, vous la voyez d'en haut et que finalement c'est un petit caillou dans un énorme champ, eh bien, tout de suite, elle paraît beaucoup moins infranchissable, cette montagne. Eh bien là, c'est le même principe. Plutôt que de vous concentrer sur quelque chose qui vous paraît absolument excessif et infranchissable, prenez cette hauteur nécessaire, prenez du recul, éloignez-vous, prenez les choses avec légèreté pour constater finalement que cette problématique n'est pas insurmontable. Allez, voyons voir avec l'oracle des merveilles. Nous avons les jumeaux, le pléonasme redondant, le 5 de cœur qui nous parle de perte et la potion avec la conséquence gênante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, alors les jumeaux, déjà, c'est intéressant puisque les jumeaux nous parlent de quelque chose qui se répète, mais quelque chose qui se répète à un point que ça en devient chiant, puisque un pléonasme, hein, par excellence, c'est quelque chose qui se répète. Si je vous dis, par exemple, je monte en haut ou je descends en bas, c'est un pléonasme, hein. Si vous montez forcément en haut, et quand vous descendez forcément en bas, voyez. Donc c'est déjà un pléonasme. Mais le fait de monter en haut, descendre en bas, c'est aussi redondant.
Donc le fait d'un pléonasme redondant, on a vraiment cette idée de quelque chose qui se répète dans la répétition à un point que ça devient particulièrement pénible. Et vous voyez, c'est comme si je vous disais, je descends en bas dans la cave. Vous voyez, j'insiste vraiment sur le fait que je descends non seulement en bas, mais en bas dans la cave. C'est bon, on a compris, je descends, juste je descends déjà, on avait compris. Mais le en bas est déjà en trop, dans la cave est encore en trop, puisque une cave c'est souvent en bas, c'est pas en haut. Donc ici on a quelque chose qui se répète, quelque chose qui se répète de trop. Donc peut-être que vous vivez à l'heure actuelle une situation qui se répète. Vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de cycle ou une boucle. Donc ça peut être une situation qui se répète, par exemple, pas forcément avec les mêmes acteurs, mais une situation qui se répète. Et pourquoi cette situation se répète? Parce que possiblement et très probablement, vous n'avez pas pris la décision qu'il fallait prendre, mais vous êtes retombé dans vos vieux travers, qui fait que la situation se renouvelle de nouveau. Et tant que vous n'aurez pas compris la chose, tant que vous n'aurez pas pris la décision de rompre avec vos habitudes et de prendre une décision différente de ce que vous prenez d'habitude, eh bien, cette situation va se répéter et se représenter à vous encore et encore et encore, et vous y laisserez des plumes, vous allez encore souffrir. Bref, il est grand temps de se sortir de ce cycle, de cette boucle qui se répète. Le 5, alors le 5, vous le savez, le 5, dans la cartomancie, c'est toujours une carte négative qui nous annonce la perte, qui nous annonce des épreuves, enfin voilà, c'est toujours une carte qui est associée au fait de perdre quelque chose. Et effectivement, plus vous allez vous entêter à renouveler cette situation, à reprendre la même décision, plus vous allez perdre de nouveau. Je m'explique. Si par exemple vous êtes célibataire et que parce que vous voyez votre célibat comme une punition, de la solitude, etc., et que par conséquent vous êtes amené à toujours prendre les mêmes décisions, vous rencontrerez toujours les mêmes personnes avec qui ça ne fonctionnera toujours pas. Et voilà, vos choix vont automatiquement entraîner les mêmes conséquences. Pareil si vous êtes en couple, si vous retombez tout le temps dans vos vieux travers, dans vos vieilles habitudes, même s'il y a une période de mieux, le fait de reprendre les mêmes choix, les mêmes décisions et tout refait, eh ben ça reviendra comme avant, et votre couple sera voué peut-être à se terminer, parce qu'au bout d'un moment, l'autre il en aura peut-être marre aussi, c'est important. Donc ici on nous parle de perdre quelque chose. Pour moi là, c'est pas un avertissement. C'est vraiment le fait que vous êtes en train de perdre quelque chose, vous êtes en train de perdre la partie parce que vous répétez sans cesse les mêmes choses. Et il est grand temps de rompre justement, le 5 là, il serait bien de passer au 6, le 6 qui symbolise la solution. Donc là, il faudrait passer une étape et passer au 6. Et la potion qui nous parle de conséquences gênantes, eh bien oui, là ça nous parle d'un acte irréfléchi. C'est comme quand Alice, elle trouve cette fiole où il y a marqué bois-moi, elle réfléchit, allez, 3 secondes pour se dire est-ce que c'est du poison, non, je sais pas, bon, allez, dans le doute, je vais quand même boire. Bah non. C'est justement la décision qu'il ne faut pas prendre. Si vous trouvez une bouteille où il y a écrit bois-moi, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit poison dessus qu'il faut se dire oh, bah, c'est pas grave, je verrai une fois que je l'aurai bu comment ça va se passer. Bah non. Justement, il faut prendre le temps d'analyser le truc et prendre le temps qu'il faut et pas se précipiter encore une fois. Donc j'ai envie de dire que là encore, on a ce sentiment de choses qui se répètent, de conséquences qui sont quelque part votre faute dans le sens où bah, c'est vous qui avez pris la décision de boire le contenu de cette bouteille, vous n'avez pas pris le temps de voir ce qu'il y avait, s'il y avait d'autres indications, qu'est-ce qu'elle pouvait contenir, l'odeur qu'il y avait, le goût qu'il y avait, enfin une fois que vous l'avez goûté, ou peut-être même apporter le contenu de cette fiole à un laboratoire qui va l'analyser pour s'assurer qu'il n'y ait pas de toxines, que ce soit pas un poison. Non, vous voyez bois-moi, et ben bête et discipliné, vous buvez, voilà, et ben et après vous plaignez qu'il y ait des problèmes derrière. Et ben oui, mais non, c'est personne vous a mis un revolver sur la tempe en vous disant tu vas boire soi. Non, c'est vous qui avez pris la décision de boire. Donc ici on a ce cycle qui pour moi se répète parce que vous prenez toujours les mêmes décisions et il est temps de changer ces décisions là et de prendre une voie différente, une direction différente. Allez, on termine avec le Sacré-Cœur. Ah bah, on a une carte qui vient de sortir. Nous avons l'évolution, qui est une carte très positive et qui vient tellement bien compléter ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il était temps justement d'évoluer. Nous avons l'amour vénal
Et nous avons la mise au point. Bon, alors là, les amis, le message est plus que clair, puisque l'amour vénal nous parle ici de quelque chose qui est intéressé. Donc, ce qui veut dire que les travers dans lesquels vous tombez, c'est toujours dû à quelque chose qui est convoité, soit par les personnes que vous rencontrez, soit par rapport peut-être à des objectifs que vous fixez. Mais non, l'amour se vit, j'ai envie de dire, de façon désintéressé. Il ne faut pas se fixer des objectifs, il ne faut pas se fixer des buts parce que d'une part, on les atteint très rarement et d'autre part, ça va créer comment je pourrais dire, une sorte de challenge alors que les sentiments, c'est pas un challenge, c'est quelque chose qui se vit. Donc si vous mettez des buts comme ça, des objectifs, des choses en tête à atteindre, vous allez créer des amours malsains, des émotions qui seront malsaines à la fois pour vous, pour l'autre, pour ceux que vous allez rencontrer. Donc non, il ne faut pas qui est d'intérêt. Ça peut aussi nous parler d'un amour qui est intéressé par rapport à vous. Peut-être que vous avez une situation, je pense par exemple à ceux qui sont célibataires, si par exemple vous avez un bon travail, des revenus assez confortables ou une jolie maison ou quelque chose qui pourrait attirer les vautours, hein, parce que n'oubliez pas les oiseaux, dans les oiseaux il peut y avoir les vautours aussi, hein, ceux qui guettent comme ça, qui tournent. Hein. Donc si vous avez quelque chose qui peut intéresser l'autre, si par malheur c'est ce que vous mettez en avant quand vous rencontrez quelqu'un, bah c'est pas étonnant finalement que vous viviez les mêmes choses, hein, parce que il faut vous mettre en avant vous, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous êtes capable d'offrir, mais émotionnellement parlant, et pas capable d'offrir physiquement parlant. Et automatiquement, si vous mettez les mauvaises choses en valeur, eh ben c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des vautours autour de vous et que vous allez retomber dans ce fameux cycle du 5 de cœur, hein. Donc ici, on nous parle bien aussi cette mise au point, le fait de faire une mise au point sur votre façon de vous vendre, sur votre façon de dire les choses, et c'est aussi valable si vous êtes en couple, c'est-à-dire que quand on est en couple, alors on l'est pour le meilleur et pour le pire, et très souvent on a quand même plus de pire que de meilleur. Enfin, oui et non, mais c'est vrai qu'avec la situation qu'on vit, la société, etc., etc., entre les factures, les machins, très souvent, l'argent revient au cœur du couple, c'est toujours un problème. Mais n'oubliez pas que si vous vous êtes mis en couple, si vous vous aimez, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les problèmes à la base, c'est pour l'autre parce que vous la trouviez belle, vous le trouviez beau, parce que vous le trouviez marrant, parce qu'il était intéressant, il ou elle était intéressant, parce qu'il ou elle était cultivé, parce qu'il vous faisait rire, enfin, bref, c'est pour toutes ces choses-là que vous êtes mis avec cette personne et pas pour son argent, pas pour les problèmes de fric qui peuvent survenir. Et il faut faire attention que votre couple ne soit pas tombé dans cette vénalité. C'est-à-dire que, ben voilà, on se soucie plus des questions d'argent, de ceci, de cela, et on se soucie plus vraiment de l'autre. Non, c'est important de ne pas vivre ça parce que là encore, on revient à cette situation hein, du 5 de cœur, la perte, quelque chose qui se répète, les mauvais choix avec les conséquences gênantes, etc., etc. Et tout ça vous invite à faire une mise au point sérieuse, une mise au point sincère et honnête pour vous dire c'est vrai que bah, la situation que je vis, je l'ai un peu provoquée, je le reconnais. Et c'est important parce qu'à partir du moment où vous allez le reconnaître, c'est que vous allez avoir une sorte de déclic. Vous allez déjà comprendre, hein. Comme on dit, pour vaincre une addiction, il faut déjà se rendre compte de son addiction, hein. Quand on a un problème avec l'alcool, la première étape, c'est de reconnaître qu'effectivement, on a un petit problème avec l'alcool, hein. Et à partir de là, ça fait un déclic dans le cerveau parce que vous prenez conscience que c'est un problème. Et quand vous allez être amené à reproduire ces choses, votre cerveau, il va vous faire un petit stop avant pour vous dire, oula, attends, là, je vais retomber dans un truc que je connais, que est-ce que j'ai envie de ça? Et du coup, ça va vous inviter à réfléchir comme ça. Et plus vous allez réfléchir, plus vous serez moins tenté à reproduire les mêmes schémas. D'accord? Donc, faites cette mise au point, c'est important si vous voulez pouvoir vous sortir de tout ça. Voilà mes chers amis pour cette guidance intemporelle sur les sentiments et les émotions. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. C'est important pour le référencement. Vous le savez, le racolage de YouTubeurs, hein. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Bref, vous connaissez la chanson. Moi, sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.